Thank you.
excellence de l'évêque. Nous constatons avec allégresse au sein de notre paroisse l'installation d'une tradition qui consiste à accueillir chaque année les chrétiens venant de tous les horizons pour les vœux de nos sœurs, les sœurs de la Sainte Famille. Excellence, Père l'évêque, votre présence paternelle, que nous saluons avec déférence, matérialise davantage cette tradition qui du reste témoigne de la vitalité de notre Église particulière du Congo. Soyez remerciés, Excellence, pour votre sollicitude paternelle. À cette même occasion, nous remercions et souhaitons la bienvenue à la Mère Générale, Sœur Claude Agnès, à son assistante, Sœur Marie-Françoise, ainsi qu'à la Sœur Gracia, maîtresse des futurs prophètes, qui rend possible cette tradition à laquelle nous aimerions nous habiter. Merci à tous les confrères, aux religieux et religieuses, aux différents représentants des délégations, à la communauté catholique de l'OMS et à toute la chrétienté ici présente. Puisse le Seigneur, par le canal de notre Père évêque, nous bénir et rendre fructueux l'engagement de nos jeunes sœurs à la vie religieuse, Anne Marie-Hélène et Gloria, pour la plus grande gloire de Dieu. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Pierre Hénon, supérieur général des sœurs de la Sainte Famille d'Amiens, représenté ici par sœur Marie-Françoise Cornet, assistance générale. Sœur Claude Agnès, supérieure générale des sœurs de la Sainte Famille de Besançon, voudrait saluer l'Assemblée. L'année dernière, nous étions déjà à deux avec sœur Claude. Nous annonçons le noviciat commun à nos deux congrégations de la Sainte Famille PDP. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être témoins du premier engagement de nos sœurs. Merci pour votre présence fraternelle et votre prière qui les encourage à être fidèles à leur consécration. Le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
qu'en acceptant la foi, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fait qu'en ayant connu ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs, André, Bénédicte, Marie Dorcas, Marie Florida, Jemima, Luisette, Marguerite, Stéphanie, la volonté de s'attacher plus étroitement au Christ, dans l'heure de parcourir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées afin de pouvoir offrir le don parfait de leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous répondons à cette parole de Dieu par le psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, Dieu le chante.
tête. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, ne même monter au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Que demandez-vous à Dieu et à son Église? Nous demandons à la grâce de suivre le Christ Jésus, de chercher avec lui la volonté du Père, en participant à la vie et à la mission des âmes de la Sainte Famille. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oh,
Merci pour votre nom. Merci pour votre accueil. Révérende Mère Générale de la Congrégation La Sainte Famille de Besançon. Révérende Sœur Assistante Générale des Sœurs de la Sainte Famille d'Amiens. Révérend Père Provinciaux, chers prêtres et personnes consacrées, frères et sœurs en Jésus-Christ mort et ressuscité. Aujourd'hui, l'Église, dans sa dimension universelle, célèbre la sagesse de l'amour de Dieu manifesté dans le mystère de la croix du Christ, symbole par excellence de notre libération et notre salut. La croix du Christ est la kénos de Dieu pour régénérer, pour renouveler, reconstruire, recapituler et restaurer l'humanité voulue et aimée par Dieu. En fait, l'humanité voulue par les hommes et femmes idolâtres a été destructrice et sans une vision glorieuse. Alors que celle du Christ est glorieuse. Par la foi du Christ, l'amour créateur et rédempteur de Dieu a vaincu le monde. Ce jour aussi, dans le mémorial christique et ecclésial, avec les sœurs de la Sainte Famille, nous avons la joie de célébrer les premiers vœux que lui professe. Elle quitte le statut de novice pour expérimenter et vivre en plénitude l'engagement de la vie consacrée. Je voudrais reprendre. Est-ce que monsieur le président, vous quittez le statut de novice pour expérimenter et vivre en plénitude l'engagement dans la vie consacrée. C'est les premiers vœux. Donc le terme de temporaire, non, déjà aujourd'hui là, il y a cet appel à l'engagement définitif. Vous me saisissez? Oui, la vous voyez, dans les 8 sœurs, il y a des centrafricains. La paix du Christ. Certains pourront dire, mais c'est la centrafrique. Mais il y a un corps historique avec la. Le plus centrafricain. Vous savez le quartier qu'on appelle le Kondjimwa. La paix du Christ. Hein? Amen. Le lien, c'est le quartier Mokondjimwa. On dit Mokondjimwa. Nali Sese, Yabrazavi, quartier Wana, désolé, et Paiba Mwaka. Désolé pour faire d'abord. La paix du Christ. Amen. Tant que vous avez un peu de temps, à Koufi, c'est l'élite en allié. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et ça a donné le quartier, vous avez un peu de temps. Voilà le lien historique. Donc vous n'êtes pas étranger ici. C'est aussi votre terre. Vous m'avez compris? Les textes liturgiques proposés à notre méditation nous montrent comment la croix du Christ
est l'expression ultime de l'amour de Dieu et source de vie pour les croyants. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle, nous dit Jésus dans l'Évangile. Les paroles de vie choisies par nos sœurs ont leur lisibilité et visibilité sur la croix du Christ. Beaucoup sont de la parole de vie, la liberté, c'est toute une histoire. C'est votre lien avec le Christ et l'Église. Normalement, lorsque vous serez affecté, vous tiendrez un mur dans la chambre de la mine. Les paroles de vie choisies par nos sœurs ont leur visibilité et leur visibilité sur la croix du Christ, ou encore tout leur fondement et source en Jésus-Christ. En cette fin de la foi glorieuse, choisissons comme respiration spirituelle et existentielle l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Nos huit sœurs, donc personnes consacrées, sont appelées à les vivre sur et dans l'humus ecclésial. Et c'est sur cet humus ecclésial qui est communion, participation, co-responsabilité, mission, qu'elles sont invitées à assimiler les statuts et la règle de vie de la congrégation. Et existentielle pour être la suite du Christ en le servant et en servant son Église, particulièrement les pauvres. Une seule la Sainte Famille est appelée à être eucharistique, c'est-à-dire que sa donation totale est une offrande, une action de grâce et une mission. Or, l'Eucharistie, c'est la communion avec Dieu et avec les autres. Mais, si tu torpilles l'obéissance, la chasteté et la pauvreté, tu deviens une statuette, tuant ainsi la vie communautaire. Soror la kati yangoma, ozali ko kalinga. Botos, vous allez au Kalinga, Bongondo. Vous allez au Kalinga, Bobola. Au Roma, Luna spirituel. Il y a comme un contre témoignage de Yoga. Il faut que ce soit au Kaling obéissance, au Kaling la chasteté, au Kaling la pauvreté. La démoine, c'est comme une tengouten. Côté le sang. Vela maman Marie. Fixez, regarde d'ailleurs, la Jésus-Christ. La Ndembewana. Il y a les Koso. Il y a l'homme qui est en Tikayamo. Et celui qui a Songi Songi. En Tikayamo. Et celui qui a le Kuta. Pour le couper, ça m'a lassé le coup de la Sassamba. En Tikayamo. Il y a ma kanga. C'est le gars à l'église.
regarde les yeux éternels. Et l'autre a dit, donc, puis le mot ma moto, mon ma poulet, mon père s'abat là haut. Et l'autre a dit, donc ça, le colaté, et l'autre a dit, mon père, vous voyez, mais faites bac, 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 guépi, bac, sépli. Le sang est occupé et béni. Et pas la vie pécie. Alors, mais ceci, ma vie m'a, non, comment on est. Et mon gars là, à mon autre, je l'adore. Non, il n'y a pas de dot. Toi, en réalité, je crois que mon père, c'est ma mère ensemble. Ma mère ensemble, mon père, c'est lui, mais il y a mon gars. Amen. Et le panier, il n'y a pas ma maman. Ce qui, moi là, à l'époque, là, mon père, à l'époque, là, Niango, et ma soeur, vos significatifs. Maman, si on passe, il y a des têtes à banne, on va vous dire, on va pas 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 vous pour bon ce moment-là. Deux amis. Mes sœurs, l'option préférentielle pour les pauvres nous conduit à être l'évangile et à annoncer l'évangile aux périphéries spirituelles existentielles. Nous trouvons nos énergies que si la croix du Christ et notre sagesse, notre science, notre art spirituel existentiel. Par le vécu de l'obéissance, de la chasteté et de la pauvreté, moi je développe pas. Bangana Mayel, parce qu'il y a Zilpé à tout. Pour y aller, la vie de Dieu Batalia, la mort va perdre ma définition en version dans la loi de la table. L'obéissance. Tout ça, obita. Tout ça, obita. Chasteté, ne pas avoir un cœur double. Parce que si tu as un cœur double, danger. Vous comprenez la suite, nous on veut ça. La pauvreté, la simplicité. Coting dans le bloc en mobilité. Ce coting dans le bloc en mobilité, vous bêtez, c'est mon yango. Et les problématiques que nous sommes dans la misère. Mais au Tinga, on est bloqué en Bokili. Ça dit, ça devient de l'idolâtrie. Vous pouvez le savoir, vous n'avez pas. Par le vécu de l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, elle ne sera pas. Dans leur réponse à l'engagement du baptême, d'être membre de l'Église, dont la famille est l'entité première, l'Église modeste. Comme religieux de la Sainte Famille, elle doit s'approprier les sentiments du Christ, l'exemple de Marie et de Joseph. Cela voudrait dire qu'une sœur de la Sainte Famille est la visibilité des valeurs crédibles et authentiques, véhiculées par la Sainte Famille de Nazareth. L'amour, l'amour. L'amour. Bagaya. Non, le bakou, il me souvient, donc on y va dans le monde. Bagaya, le bouyama, palais. La paix du Christ. Amen. Vous avez Bagaya, vous avez l'expérience en ma place, l'étaï, à la condembe. À la condembe, la vie, je m'en vais, mon dieu. Nani pété pété, hein? Nana allé elle a la ma soeur. Bon le bagaté, oui, ma soeur, quoi, la gagne, vous voyez un bon autre temps, vous dites. Comme religieuse de la Sainte Famille, elle doit s'approprier les sentiments du Christ, l'exemple de Marie de Joseph. Cela voudrait dire qu'une sœur de la Sainte Famille est la visibilité des valeurs crédibles authentiques véhiculées par la Sainte Famille de Nazareth.
lorsqu'elle vit et célèbre la liturgie des heures, elle ne pose pas seulement des actes extérieurs, mais elle est au cœur de la louange éternelle, comme des anges qui louent le nom du Seigneur. Alors la prière, la vigilance, la gouvernance des valeurs évangéliques, l'apostolat missionnaire deviennent son quotidien. Nous connaissons notre finitude, nos faiblesses, nos fragilités. Mais en fixant notre regard sur le Christ, sur la croix du Christ, nous disons comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsque je suis faible, je le suis dans le Christ et il me fortifie. L'obéissance, la chasteté, la pauvreté ont pour fondement l'amour. J'obéis parce que j'aime. Je suis chaste parce que j'aime. Je suis pauvre parce que j'aime. Mais qui j'aime? J'aime le Christ qui a séduit mon cœur pour être au service de l'humanité. Et cette séduction libératrice du Christ formate mon amour humain pour qu'il ne soit pas phagocytose, pour qu'il ne soit pas égoïste, ni phagocyté par les appétits de la mondanité spirituelle et existentielle. La croix glorieuse nous donne le vrai sens de notre destinée, la gloire de Dieu, la vie éternelle. Cette croix nous donne la force et le courage de vivre les souffrances quotidiennes, les contradictions, les incompréhensions dans la perspective de l'espérance. Au tournant, de la nouvelle donne de la congrégation, spécialement les sœurs d'avenir. C'est le tournant, vous avez eu, c'était l'assemblée capitulaire. Et au cours de cette assemblée capitulaire, vous avez réfléchi, vous avez projeté. Et deux Africains, Bakoti Nakata, conseil général, elle est noté. On est là pour présenter Mokokata, Yabanobis, nous, à Koti Nakata, il y a Tinda. Moutu à congrégation. Comment on est là? Baboni, Baboni. Bakongo. Manoara, il y a une belle. La paix du Christ. Amen. Quel est ce côté? C'est le mot. Au tournant de la nouvelle donne de la congrégation, pour votre participation, devient l'engagement pour inculturer le charisme de la congrégation. Dans le tissu culturel, surtout en Afrique, particulièrement, et puis au Congo et en Centrafrique, en France, en se consacrant à Dieu et par les vœux prononcés, vous vivez aussi le renaître en Jésus-Christ, c'est-à-dire la configuration au Christ obéissant, chaste et pauvre. Et cette configuration au Christ vous appelle de ne pas être prisonnière du repli identitaire. Le mot là, il y a un banner. Il y a un banner dans la zone du sud. Il y a un banner dans la zone Abraza. Il y a un banner dans la zone City. Il y a un banner dans la zone du fond. Donc le repli identitaire.
Angela depuis l'identité. À vue de l'universalité de l'Église, on a reçu votre particularité comme ouverture au Christ et aux autres. Pour répondre aux exigences de la congrégation, la formation est prioritaire. Se former et se laisser former pour accueillir l'expertise spirituelle et existentielle, voire ecclésiale, afin de mieux vivre les engagements de votre consécration. Cette expertise, de temps en temps, peut être attaquée par les prédateurs spirituels. D'où il vous faut savoir dire non et fixer votre regard sur la foi du Christ en écoutant les conseils des anciens. Des anciens. Il ne faut pas boycotter les conseils des anciens. Il y a mon salaud. Il y a un souk d'appel dans mon salaud. Il y a un ami qui a sika sika. Il y a un plus de couleur. Il y a un plus de couleur. En émettant les vœux, vous devez comprendre que le discernement est personnel et communautaire. La médiation des supérieurs, des responsables, parce que c'est ce que l'on dit supérieur, des responsables de la congrégation, vous aide à mieux voir et agir. Non seulement avec vos capacités, mais aussi avec celles d'autrui reconnues par la congrégation. Dans ce monde médiatisé ou du numérique, il nous faut à un moment donné de la cesse afin que nous puissions garder notre liberté dans le nom de Dieu. De notre disponibilité à être au service de nos frères et sœurs. Parce que si nous ne gardons pas cette liberté, le numérique peut être un élément perturbateur dans l'exercice plénier de l'obéissance, de la chasteté et de la pauvreté. Le numérique. Alors, formaté par le logiciel, de la foi du Christ, ce logiciel est intéressant. Le bien-être spirituel et existentiel de la vie consacrée nous conduit à vivre humblement, simplement les vœux d'obéissance, de chasteté de pauvreté. Ainsi, nous pouvons saisir la spiritualité de l'anticipation de l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas dit. La spiritualité diocésaine. Les prêtres diocésains, nous les diocésains sommes à 100% diocésains. Mais lorsqu'on parle de la spiritualité diocésaine, la vie consacrée, il ne fait pas. C'est pas ça la plupart. Donc la spiritualité diocésaine, dans la spiritualité diocésaine, il y a modalité, diversité des spirituels. Et l'évêque veille à la communion. Dosa obica. Les trois vœux. Les trois vœux ne sont pas des freins de notre liberté, mais l'épanouissement crédible et authentique de notre être, de notre agir. Aujourd'hui, ne vivez pas dans le provisoire des vœux, mais dans le dynamisme définitif des vœux, dans la vierge de l'exemple. Je vous félicite. Oui, je vous félicite. Et donc, nous devons prier pour vous, parce que vous venez de sortir de la turbulence des quartiers populaires, parce que notre collège va s'arrêter. Félicitations. Félicitations. Pourquoi félicitez pas?
Parce que nous sommes aussi tous au courant. Parce que nous sommes tous les deux au courant. Donc je disais, je vous félicite. Et devons prier pour vous. Parce que vous venez de sortir de la turbulence des quartiers populaires. Que beaucoup perdent la virginité spirituelle. Même ceux qui sont mariés, faut qu'on aille goûter au côté de Mama Salapuna. Dans la vie communautaire, nous sommes tous des protagonistes. Bien qu'elle a supérieure, il faut que c'est ailleurs. Makambo, ce qu'on va la tête à la communauté, au cours de sa vie, au Tikambo. Ce qu'on va la tête à la communauté, communauté qui fonctionne sous ma lame. Et ça dans la quartier, et ça dans la famille, tu connais il y a beaucoup de gens qui ont été. Mais si on connaît ce qu'on a été, et que tu vas à la mort, et que tu vas sourire, et que tu vas la mort. Et moi, tu vas la vie. C'est pourquoi nous devons éviter la bestialité dans le comportement. Le noviciat forme les prophètes. Le terrain pastoral forme les missionnaires à l'apostolat de la Sainte Famille. Que la Sainte Famille nous inscrit toujours dans notre démarche vocationnelle et ecclésiale dans la vie religieuse. Avant de dire Amen, je dis aussi. De temps en temps, ça fait bien à la santé de ces ailes qu'on fasse les vœux religieux à l'état. C'est un témoignage. Les balles dans ce monde, pour cette petite chose, bonne nature, petite chose, voilà tout à côté. Tout à côté, les vœux. Donc, de temps en temps, il y a une madame, vous savez, la plus belle feu, la dame, dans les parents, dans le journal. Amen. Amen. Sœur Florida, Sœur Stéphanie, par le baptême et la confirmation, vous êtes consacrés à Dieu. Désirez par ma profession religieuse lier davantage à lui. Oui, je le veux. Pour chaste, obéissant et participer à sa mission en travaillant à l'éducation des enfants et des jeunes. Oui, je le veux. Désirez-vous vivre en communauté, qui soit les copies vivantes de la maison de Nazareth. Oui, je le veux. Que Dieu tout-puissant achève en vous ce qu'il a merveilleusement commencé. Regarde avec bienveillance ses sœurs. Allume en leur cœur le feu de l'Esprit Saint, pour que leur vie devienne semblable à celle de la Sainte Famille de Nazareth. Et rende gloire à ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De la profession religieuse selon la tradition de la congrégation sera au moment de la communion. De tous les frères et sœurs. Pour les femmes,
Seigneur, donne-leur l'esprit de sagesse qui dispose avec droiture la parole de vérité. Nous te prions, Seigneur, notre pays, pour nos gouvernants et ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, que leurs efforts soient couronnés de succès et qu'ils sachent maintenir l'ordre, la justice et la paix. Nous te prions, Seigneur. Les prophètes qui ont accepté à travers la consécration de leur vie d'être des signes du royaume et des témoins de la fraternité, aide-les à se dévouer à ton service et à celui de leurs frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur. Pour les parents et pour ceux qui n'ont pas pu être présents, pour ceux qui sont partis, à tous, dont ta paix, nous te prions, Seigneur. Tous ici rassemblés, accorde à chacun et à chacune un cœur sincère et droit pour avancer sans peur vers la plénitude de ta lumière. Nous te prions, Seigneur. Chacune de nous, en venant participer à cette Eucharistie, porte dans le silence de son cœur des désirs, des aspirations, des questions que chacun et chacune nous donne un moment pour prier. Je suggère que chacun prie en sa langue, Tuba, Lari, Boshi, Sango. Nous allons prier, il faut dire ouvrir la bouche, nous allons prier pour la nationalité, pour le sang et tout. D'abord, on y prend nos sangs. Les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent, à chacun et chacune, ce qu'il faut faire par le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. Thank you.
Nous t'en supplions, Seigneur, que le corps du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Seigneur, nous t'en prions, accueille les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour. De la première profession religieuse de tes servants, par la protection de ta grâce, transforme ces premiers dons en fruits abondants. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. De t'ouvrir notre action de grâce. Aujourd'hui en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie se unisse à nouveau, là où la mort avait une naissance. Et que l'ennemi victorieux sur le bois, vu à son tour vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbres t'attendent, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi, les puissances d'en haut, et tes saints et malignes, les innombrables créatures des cieux. À la rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh,
donne la vie. C'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même nous fut livrée. Il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous verrez cela en mémoire de nous. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui sera ta volonté. Fais-toi offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec lui. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le monde. Passe de nous une éternelle fin de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les heureux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurer de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque bienvenu, Monseigneur Urbain qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as consacré, et les pilières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, traitement tous les enfants dispersés. Pour ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dieu,
Sans commandement, nous osons dire notre Père. Seigneur, délivre nos familles respectives de tout mal et donne la paix à notre temps. Si nous, par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vue de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, donne la paix véritable à chacun et chacune de nous, à nos familles respectives, à nos quartiers, à notre pays, à nos pays. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko Bangal. Toye, Kosangisa Essengo Nabiso, na Banabaye, Banabasi, Bani Bonzami Nanzambi. Côté bas, la banque Zeneke, le bonigo boy, Wanzam, Toyoki, le Wanzam, et Petoli Bissonio, c'est Sokoli Misso. La parole de Dieu nous a lavé. Misso, tout comme une pépère. Yézu, a outil pour lambe la Misso. L'Ipat, il y a tant, moi, si mon gars, il y a lambe la Yango. Même chef, mon gars, lambe la Ipat, il était zéro. Natao autant de la moninga maboko mangaka mayo, tala moninga na kata miso, pesaye esenu ya nzambi, pesaye mukosa ya nzambi, mukosa ya moninga baninga. Toyo gani? Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Porte-moi
de leur supérieur général professent les vœux selon la formule propre de l'Institut. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Grande gloire de la Sainte Trinité, en présence de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des anges et des saints, de toutes mes sœurs et orthogones, Sœur Marie-Françoise Tornet, représentante de Marie, Pierre et nous, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille Gardienne. Moi, Sœur Marie Dorcas Lupitala. Moi, Sœur Marguerite Nguila Dikoko. Je promets à Dieu de faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour un autre, selon les constitutions de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille d'Amiens. Et je m'engage à me dévouer pour un autre à la mission de la Congrégation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, quelle est l'intime que je sois de parler en votre divine présence, de confiance dormant dans le secours de votre grâce et de vos miséricordes infinies. Moi, Sœur Chancela, je vous dis que Yétis a parlé de ma part. Moi, Sœur Marie Gordon, d'accord de la Rousse. Moi, Sœur Jérima, je vous ai fait des amis. Moi, Sœur Lise, par ma chanteur d'Atibé, mon Dieu. Moi, Sœur Stéphanie, hiver, bien mûré. Je fais aujourd'hui et pour un an des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Entre les mains de ma supérieure générale, sous l'autorité de Monseigneur l'archevêque de Besançon, et selon les constitutions adoptées par la Société de la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph, faites que je sois constamment fidèle à cet engagement et que ma vie tout entière soit conservée à la gloire de Dieu et au salut du prochain. Amen. Sœur Dorcas, Sœur Marguerite, vous êtes sœur de la Sainte Famille d'Amiens, membre de la Congrégation. Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Sœur Dorita, Sœur Jemima, Sœur Michelle, Sœur Stéphanie, vous êtes sœur de la Sainte Famille de Besançon, membre de la Congrégation. Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Bandego Nabiso Bauti Kope Sabilata, Pona Mogu Moko. Dango, ma sœur Mibale, sœur Marie-Françoise, na Congo est supérieure. Général Ayambi, il a travaillé à Bamou. Donc, Andimi, donc, Nandébé Eye, Bamou Bakomi, la sœur de Sainte Famille. Théokali, version Amiens. Maintenant, Mère Générale Awa, Yépe Ayambi, Bilapo, il y a Vandekwa Bissoboye, promesse. Hein? Il y a un dîner avec mon maire général, à l'Ubano, comme ça, pour mon œil, mon collègue est là, ma commis, ma cotine à Katia Kinda. Il y a ma soeur, Sainte Famille, il y a version, Besançon, les pénates, épiscopaux. Alors, Besançon. Et au Cali, pour l'animal,
Merci. Chant de communion. Thank you.
Congrégation la vie de Jésus Christ nous a bien guidé. Si vous avez précipité dans le bouc, donc au chevet de la moutouana, il y a d'autres chombo, tchamoué la puna. Vous avez compris? Vous m'avez compris? Alors je vais expliquer, tu sais, les constitutions. C'est plus important que le téléphone. Vu que parfois, vous tchamoué la puna, et comme la poussière, tout ça, vous t'en allez. Merci de votre président. Il faut que le maman voyez bien. Thank you.
Ton Dieu, la gloire de la résurrection. Ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre. Que la communion à ces mystères nous réjouisse, Seigneur, par leur force. Donne à tes servants d'accomplir fidèlement les engagements de la vie religieuse.
qu'elle vient de prendre et de servir d'un cœur libre. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père Gaston Goff, évêque de Varoma, président de cette Eucharistie. Abbé Charles Leban, curé de la paroisse et son équipe. Sœur Claude Agnès Biquet, supérieure générale de la Sainte Famille de Besançon. Sœur Marie-Pierre Hénon, supérieure générale de la Sainte Famille d'Amiens, représentée ici par Sœur Marie-Françoise Cornette, assistante générale. Chers prêtres, religieux, religieuses, chers parents, frères et sœurs, amis et connaissances, Monsieur le conseiller de l'ambassade de la Centrafrique, chers tous en vos rangs grades et qualités, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Passe aux inondés. Amen. Voici le jour que fit le Seigneur. C'est un jour de fête et de joie. Par ces mots du psaume 117, verset 4, nous rendons grâce à Dieu à qui nous devons tout, et exprimons combien grande est notre joie pour les merveilles qu'il a daigné réaliser dans notre vie. Parvenir en ce jour où nous nous engageons à la suite du Christ par mon premier vœu. Le Seigneur est en effet le seul et beau du jour. Et le temps de la vie religieuse manifeste une fois de plus que c'est Dieu lui-même qui agit dans son Église. Que le Seigneur soit béni. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'endroit de Monseigneur Urbain qui a accepté de présider cette Eucharistie malgré ses occupations. Merci de tout cœur, Monseigneur. Merci à Sœur Marie-Pierre Hénon, supérieure générale de la Sainte Famille d'Amiens, à Sœur Claude Agnès Biquet, supérieure générale de la Sainte Famille de Besançon et leurs conseils respectifs pour la confiance accordée à nos humbles personnes pour que nous naissions aujourd'hui dans la Sainte Famille. Merci à nos maîtresses qui nous ont formés et enfantés à la vie religieuse. Sœur Augustin de l'Enfant Jésus, Sœur Marie-Françoise, Sœur Rosalie, ainsi que toutes nos sœurs qui nous ont encouragés. Nous pouvons garder une minute de silence en mémoire de Sœur Cécile. Merci de nous avoir appris à aimer beaucoup la prière, à être nous-mêmes et à pratiquer la sainte obéissance. Humblement, nous vous demandons de continuer à nous soutenir dans la prière. Aux maîtresses et professeurs de l'internoviciat qui nous ont accompagnés, nous disons également merci pour les enseignements et les conseils. Nous remercions l'équipe presbytérale de Saint-Pédis et l'ensemble des prêtres, religieux, religieuses, personnes consacrées et novices venus nous soutenir en ce jour. Un merci particulier à Sœur Régine, prédicatrice de notre retraite. À nos chers parents, un grand merci de nous avoir éduqués dans la foi, pour votre soutien surtout spirituel. Merci de nous avoir permis de répondre en toute liberté à l'appel du Seigneur. Qu'il vous récompense largement. À nos amis et connaissances, toute personne de bonne volonté venue de différents quartiers de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Guélizy, de Kinshasa, de la Centrafrique, un grand merci. Nous saluons votre honorable présence. Nous serons terminés sans jeter des fleurs à ceux qui ont œuvré à ce que cette célébration soit belle. Les deux chorales sont édités dans la table lourde de notre paroisse, les servants de messe, les élisables. Que chacun et chacune de vous soit infiniment remercié. Merci, Matondo Singila. Je remercie toute l'Assemblée, en particulier les parents, pour la foi qui a alimenté notre prière et l'ardente participation à notre joie et à notre action de grâce. Merci à tous ceux qui,
des frères de loin ont préparé et mis en œuvre la célébration. Prêtres, choristes, danseuses et orateurs, etc. Merci à vous, Monseigneur, d'avoir accepté de vous déplacer pour présider cette célébration qui marque nos congrégations. Puisse le Seigneur, en ce jour où nos sœurs se donnent à lui, susciter parmi cette assemblée des jeunes filles désireuses de marcher à la suite, à sa suite, dans la religieuse. C'est notre souhait. Nous prions et vous joindrez à notre prière, à cette attention. Merci. Nous avons fait ça avec mes confrères évêques du Congo, d'une manière particulière, Monseigneur Mwanga et l'archevêque de Brazzaville. Moi-même, nous rendons grâce à Dieu. Si j'ai posé cette Eucharistie avec la crosse de l'archevêque de Brazzaville, ça veut dire que nous sommes en communion parce que je suis pas de mon territoire. Pour porter la crosse, il faut qu'il me donne. Après, c'est un guindi ça. Nous sommes en communion. Nous sommes aussi en communion, on parle de l'union des suprêmes majeurs. Hein? De l'union des suprêmes majeurs. N'oubliez jamais de mentionner cela. À tous et à toutes, merci. Au maire général, à ceux qui ont les responsabilités, merci, merci. Mais mon propos, moi, c'est de réfléchir, vous voyez ça? J'ai reçu ça à Amiens. Qui peut deviner? Voilà, c'est la croix de la sœur Cécile. La croix et l'amour. Elle a dit oui à Jésus dans la fidélité. Et je garde ça. J'ai célébré la messe à l'Atakambo. Je garde ça, c'est ma mère c'est qui m'avait donné ça. Ngana n'est pas le papier, c'est Ngana. Elle a tenu. Merci beaucoup. Merci au curé de la paroisse, merci aux prêtres, merci à la chorale, merci aux Élisa. C'est les Élisa, non? Élisa. C'est bien, là, il y a un motif pour que ça l'aide ici. Quand vous pouvez, on va venir m'en profiter. Donc, pour les prêtres, j'ai déjà dit, les aînés qui sont ici, vous savez, c'est pas par égoïsme, il y a l'une de vous, que la vocation a été discernée quelque part. Moi, comme évêque, j'ai dit merci au foyer de Charlie, à la Georges. Merci. La chose a fait un bon travail de discernement. Merci. Ce qui est bien pour le reconnaître. Merci à tous et à toutes. Merci aux parents. Merci à nos amis et frères de la République centrafricaine. Merci beaucoup. J'ai entendu le conseiller transmettre nos salutations. Fraternel, je prends ma offre. Les religieuses, les personnes consacrées qui sont ici pour témoigner de la vie religieuse. Lobby, Nateka, dans la cathédrale, et les gens, moi aussi, la Bounzenga, et la Bokenzo. Akolakela, Bilata, Yalibela. Donc, nous la portons dans nos prières. Il faut le dire. À la cathédrale du Mai, médecin à 10h. Merci à Sœur Regina pour l'accompagnement.
l'accompagnement et le bout d'expérience. Merci. Une fois de plus, merci. Vous savez que notre pays, le Congo, c'est une joie. Sœur Marie-Françoise a vécu longtemps ici. Et aujourd'hui, elle est assistante générale de la congrégation. Nos félicitations. Porter cet héritage du Congo là-bas. À la mère générale Claude, si j'ai bien capté. Merci, saluer l'archevêque de Besançon et à nos deux sœurs. C'est une grande responsabilité. Comme je vous ai dit, il faut connaître l'histoire de la congrégation. Il faut s'approprier cette histoire. C'est un tournant. Vous connaissez ce que vous avez partagé. Moi, j'étais pas la même chose avant. Aujourd'hui, et le collègue Seki, vous avez la responsabilité de la congrégation. Donc, pour la congrégation, à Banyango, Bois-de-Nabino, le Koumou, la Missela, vous allez pour Sala, pour Jésus-Christ, ça y est, ben. Félicitations aux personnes concernées. Nos félicitations. Vous faites partie du cœur des évêques. Et elle est la fraternité, elle est vraie. Et au Kani, vous semblez la prendre la mission, vous semblez la prendre la mission. Hein? Le Seigneur a fait les êtres grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Amen. Qui vous établisse auprès de tous comme signe des témoins de son amour. Amen. Amen. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Amen. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que nos adorables nous sont gratuits.
béton qui couvre les antivaleurs qui minent notre pays, en tout cas qui minent presque le monde, que des jeunes s'engagent à servir le Seigneur. En tout cas, ça m'a fait une bonne impression en tant que catéchiste. Vraiment, c'est à féliciter. C'est à féliciter vraiment. Et en tout cas, j'encourage que, à travers elle, que d'autres jeunes filles puissent avoir cette vocation de venir dans la moisson du Seigneur afin d'être ses servantes. Merci. Je suis très heureuse pour mes vœux temporaires dans la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. C'est vraiment une bonne joie pour nous et pour la congrégation aussi pour notre famille parce que nous faisons vraiment partie de cette congrégation pour œuvrer dans l'Église. Moi, premièrement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, la pauvreté heureuse qui m'avait appelé pour les Sœurs. Et ce que je demande, je ne suis qui reste pour la Sœur. Si la Sœur qui désire guérir la Sœur qui reçoit la paix, pour discerner son appel de souveraineté de Christ. Le chemin que j'ai pris, c'est un bon chemin. Et j'invite aussi à mettre à jour le jeune qui est venu aussi en forme de comme ça, parce que à l'heure actuelle, la vocation, c'est pas évident. Donc pour moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir une petite sœur, vraiment dans le champ du Seigneur, parce que la moisson, comme la parole de Dieu nous dit, que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc c'est toujours bien, ça fait toujours du bien à nous et puis à l'Église d'avoir des nouvelles religieuses, pour aller même dans les confins annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour témoigner de Dieu, pour annoncer sa grandeur, témoigner la parole de Dieu à travers les personnes que nous rencontrons. Si je prends l'exemple de notre charisme, nous sommes plus employés auprès des gens démunis, des enfants pauvres, des enfants délaissés. Voilà. Donc pour moi, je dis vraiment un grand merci au Seigneur de nous avoir donné des petites sœurs, voilà, qui sont disponibles pour aller témoigner de Dieu. Merci beaucoup. Une véritable action de grâce pour ces sœurs. Et je suis très heureuse d'avoir accompagné quelques-unes d'entre elles qui ont passé le stage chez nous à l'école Casse Dominique, où je les ai vues à l'œuvre en lien avec les enfants démunis, les enfants handicapés. Elles ont été très, très dévouées. Et je pense que nous devons les accompagner, les soutenir pour qu'elles soient des véritables témoins de nous. Il est où? Je l'ai dit.